Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Vieille Ville. Donc aujourd'hui cet épisode va être un peu bizarre puisque je me suis rendu compte que j'avais pas sélectionné le bon micro quand j'ai enregistré. Donc cet épisode et les deux suivants vont être des épisodes commentés mais commentés après avoir été tournés. Donc du coup ça va être un peu bizarre puisque je me rappelle plus très bien ce que j'avais voulu faire à chaque fois. Donc mes commentaires risquent d'arriver un peu bizarrement et un peu pas forcément... comme il faut dessus, et vu que les deux suivants sont buggés, je pense que je vais pas forcément les commenter. Là, je suis en train d'ailleurs de compter les chambres vides que j'ai. Je ne vais pas forcément les garder, je vais faire peut-être une petite compilation d'accéléré, de gameplay en musique. Ça bouchera bien en fait mes vacances, puisque là, vu que je pars en vacances demain, je n'ai pas franchement le temps de remplir les épisodes et de refaire les voice-overs dessus. Donc je vais vous proposer des épisodes en musique à regarder pour vous endormir, puisque je ne vais sûrement pas forcément les commenter ou pas beaucoup les commenter, et donc du coup c'est pas forcément super. Mais en gros, ce que j'ai fait dans ces trois épisodes, dans le premier, si je me souviens bien, j'ai un peu modifié les choses et j'ai créé quelque chose qu'on va voir un peu plus tard, un enclos à vaches un peu plus loin. Et là, je suis en train de dire que je ne vais pas agrandir ma ville de ce côté-là parce qu'il y a des poiriers. Et que les poiriers, c'est pas bien. Et que bah, juste au-dessus, ce que je viens de vous montrer, au-dessus du cimetière, il y a quand même énormément de place. Donc là, vous avez mon grand champ. Ici, je suis en train de construire un grand endroit pour mettre des pommes, pour pouvoir faire des tartes aux pommes, et je vais faire des routes et tout ça. Et donc bien là, je pense que je vais vous proposer en sûrement deux ou trois fois bien tous les épisodes un peu en accéléré et en musique, puisque bon, du coup je ne me sens pas de refaire la demi-heure de commentaires. En plus, je ne sais plus franchement ce que j'avais dit, et je vais sûrement faire comme ce que j'ai fait au début là, ne pas arrêter de revenir sur ce que je viens de dire, parce que c'était « Ah oui, c'est vrai, là j'ai essayé de faire ça, ah oui, c'est vrai, là j'ai essayé de faire ça. » Et j'ai vraiment pas envie de re-regarder toutes les vidéos pour refaire tous les commentaires. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire, comme je vous le dis depuis 25 minutes là déjà, des petits accélérés et des... Et là, je suis en train de chercher les barrières. J'ai mis vraiment très longtemps pour les trouver. Je vais vous faire donc... Je reviens à ce que je voulais dire. Là, normalement, vous avez déjà perdu complètement le fil de ce que j'ai dit. Puis là, je vais avoir un gros coup d'OCD qui va faire que je vais le faire 20 fois et je serai pas content, et je vais le refaire dans l'épisode d'après. Enfin, c'est une catastrophe. Et donc, je vais vous faire un petit peu d'accélération de la V-Ville. Le temps d'arriver à peu près là où on est, de toute manière, il ne s'est pas passé grand-chose. Il y a eu un peu de construction, donc mon enclos à vache là que je suis en train de designer, les pommiers, j'ai modifié un petit peu la façon dont est organisé la farine et tout ça, et c'est à peu près tout ce que j'ai fait. Bon, je suis passé encore à travers 6 ou 7 héros, puisque bon, forcément à chaque fois ça demande beaucoup de passages pour trouver des héros comme il faut. C'est surtout que je les laisse faire n'importe quoi et ils meurent à une vitesse absolument délirante. Donc là, j'ai eu un gros problème de calcul de combien exactement je voulais que ça fasse. J'ai fini par y arriver. Et après, ça peut... si j'ai fait... ça, vous allez voir ça, je vous reprendrai à la fin, pas à la fin de cet épisode-là, puisque ce sera la fin du prochain épisode. J'ai fait quelque chose d'assez joli derrière qui m'a fait bien rire... un petit moment. Et donc là, bien, je vais vous laisser regarder en accéléré, et je vous reprendrai sûrement à la fin pour vous dire quelques petits mots. À tout à l'heure. We'll be right back.
Et donc voilà, on va se reprendre par ici hein, pour un petit mot de la fin, histoire de voir. Donc là, je pense que ce que j'ai dû faire plus ou moins par là, c'est réfléchir à chercher partout où étaient tous mes différents héros et les chercher, les comparer, etc. Tout ça. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai dû baisser la vitesse du jeu. Et oui, c'est complètement idiot d'ailleurs où j'ai laissé cette porte, mais bon, il va falloir que je pense à l'enlever à un moment ou à un autre. Et donc du coup, là, c'est un peu la fin de cet épisode où il ne se passe plus, je crois, plus grand-chose à la fin. Si j'essaie de faire une boucherie et puis finalement je la fais pas parce que ça m'intéresse pas, et puis là je me rends compte que j'ai demandé beaucoup trop de cailloux. Il y a énormément de farine, je vais attendre très longtemps avant que ça s'augmente parce que j'ai mis très longtemps à comprendre pourquoi ça ne s'augmentait pas comme ceci. Donc là je prévois des tartes aux pommes parce que bon ça suffit hein, de manger toujours du pain, c'est bien aussi de manger autre chose. Donc après le pain ils vont manger aussi des tartes aux pommes. C'est bon aussi, hein, c'est pas mal, ça se fait. Et donc là, il y a juste qu'à les regarder faire. Je me demande toujours, même en re-regardant après, en commentant par-dessus, pourquoi ils n'utilisent toujours pas cette boulangerie. Là, j'ai un mini-siège de 5 misérables araignées, donc on va laisser se faire tout à fait comme il faut. Et bien, en regardant cette fin, on va se dire... comme d'habitude, hein, bonne soirée, bonne journée, bon après-midi, bonne matinée, bon appétit aussi, pourquoi pas, tiens. Bon réveil. En fait, mettez l'adjectif qui vous intéresse le plus à cet endroit-là, tant qu'il va très bien avec bon. Et puis, on va se dire à très bientôt pour un nouvel épisode de La Vieille Ville. Au revoir.